size Lambdukiyen'i tanıtmaktan şeref duyarım. Kendisinin Fransız konsolosluğunda 2 gün sonra sergisi açılıyor. Şu anda aslında tüm fotoğraflar bugün açılıyor. Hiçbir şey yoktu, bugün hepsi açıldı. Biraz önce oraya baktık. Hatta Fransız konsolosluğunun cephesinde de sergisinin afişi var şu anda. Bu gösterinin mümkün olmasını sağlayan Fransız kültür bir özel teşekkür. Çünkü kendisinin buraya gelmesini ve bizle temas etmesini onlar sağladılar. Bu İstanbul'daki serginin dışında İzmir Fransız Kültür ve Ankara Fransız Kültür'de de birer sergici olacak. İkişer gün arayla onları açıyor. Lambdukiyen Laoslu bir fotoğrafçı ama Fransız fotoğrafçı diye de geçer. Onun için konuşman çoğu Fransızca olacaktır. Ben mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde tercüme etmeye çalışacağım. Bazen İngilizceye de dönebiliyor ama asıl konuştuğu dil Fransızca. Laos'ta doğdu ama Vietnam'da bir aileden Laos'ta doğdu. 1966'ydı galiba doğum tarihi. Oradan kaçmak zorunda kaldı. Önce bir Tayland'a kaçtı. Oradan sonra Fransa'ya gitti ve güzel sanatları Fransa'da okudu. Onun için ve orada yaşıyor memleketi orası. Onun için Fransız fotoğrafçı diyebilir. Kendisini bu kadar tanıttıktan sonra şöyle ilerleyeceğiz, onu da anlatayım size. Bir grup fotoğraf gösterecek. Çünkü çeşitli konularda çeşitli grup fotoğrafları var. Bir grup fotoğraf gösterecek. Sonra o fotoğraflar üzerine belki kendisi bir şey söyleyecek. Belki sizler bir şey sormak isteyeceksiniz. Onlar bittikten sonra başka bir gruba geçeceğiz. Evet. Okay. J'ai pas par où commencer parce que j'ai pas prévu cette séance, mais je pense que je vais présenter le travail par le début, comment j'ai commencé la photographie et comment j'ai fini la photographie aujourd'hui. Et que j'ai présenté les photos dans les 3 expos qui ont un thème sur les mères et en fait sur les femmes du monde entier, mais certaines photos ne sont pas exposées pour des raisons politiques. Et donc, il y a seulement des photos qui sont prises dans les conditions avec les ONG ou dans les pays en guerre. Voilà. Et j'ai commencé... J'oublie. Şimdi, bu 3 aylık bahsettiğim sergide gösterecek fotoğrafların genel konusu anneler. Anneler konusundaki tüm fotoğrafları bu 3 şehirdeki sergilerde koymuyor. Bazılarını politik nedenle koymadılar. Bu fotoğrafların çoğu işte NGO dediğimiz sosyal kuruluşlar adına çalışırken çekti. Aslında fotoğrafa nereden başladım ve şimdi neredeyim mi anlatacak bir şekilde başladığı yerden biz de başlamış olacağız. Şu anda bulunduğu yerde. Bir de arada uzunca bir süre ara verdim 10 sene kadar. Fırsat olursa onu da hikayesini anlatırız. Voilà, je vais expliquer un peu mon parcours, comment j'ai quitté Laos et arrivé en France. Et ce parcours explique aujourd'hui, pour moi en tout cas, comme pourquoi j'ai fait la photo. Voilà, c'est très important. J'ai quitté le Laos dans les années 76, juste après la chute de... juste après la prise du communisme pendant la guerre d'Indochine, qui est la guerre qui était entre les Français et les communistes. Les Américains aussi, donc suite à la prise de l'Indochine qui est le Vietnam, Laos, Cambodge, les gens sont partis, on appelle cette époque-là des boat people. En tant que réfugiés, on cherchait dans les endroits où on a la famille qui est à peu près partout dans le monde pour pouvoir nous accueillir. Et j'ai traversé une nuit le Laos par le Mekong. Donc le Mekong, on est arrivé dans un camp de réfugiés en Thaïlande. Et en Thaïlande, j'ai vécu pendant 2 ans. Pour moi, c'était vraiment l'enfer. Je travaillais déjà à l'âge de 10 ans en tant que mécanicien. J'étais très très bon mécanicien de moto. Et quand je suis arrivé en camp à l'âge de 12 ans, j'ai vécu pendant 2 ans dans le camp. C'était vraiment l'enfer parce que c'est un camp qui est géré par les militaires thaïlandais.
Et dans un camp, c'est, on dirait, c'est vraiment un camp de prison, c'est-à-dire qu'on est cloisonné par différentes familles, par des barbelés. Et je me suis enfui de ce camp-là parce que je ne pouvais pas supporter de vivre enfermé entre les barbelés. Je me suis enfui, j'ai vécu pendant plusieurs mois à l'extérieur pour pouvoir survivre. J'ai fait des petits travaux comme dans les marchés et vivre librement dehors. Çok zor dışarıda hepsini hatırlarım. 76 yılı zannediyorum kaçtı şeyden Laos'tan. Laos'ta çünkü o sırada işte Fransızlar, Amerikalılar, komünistler savaş oldu ve komünistler ele geçirdiği zamandı. Tayland'a kaçtılar. 10 yaşında falandı anladığım kadarıyla o zamanlar. Ama o zamanlarda mekanisyendi yani motorlardan anlıyormuş. İki sene orada kaldı. Böyle dikenli tellerle çevrili kötü bir kampta tam bir hapis hayatı. Nefret etmiş ve iki sene sonra kaçmış. Küçük işler bulmuş. İşte o küçük işlerle uğraşmış. Sonra Mekong Nehri'nden doğru gitti. Bu Mekong Nehri onun hayatında çok önemli bir yer kaptı. Zaten Mekong diye bir kitabı da var. Ve öyle bir seri fotoğraf var. Bu akşam izleyeceğiz herhalde onu da. Bütün bu yaşadıkları benim fotoğrafa başlamama neden oldu. Yani fotoğraf çekmemin nedeni aslında bu yaşadıklarımdı demişti en başta konuşmasının başında. Je suis arrivé où dans les camps? Ok. Et dans les camps, et je suis pris par les militaires, me ramener dans le camp. Là, j'étais battu, rasé. J'ai l'impression de vivre vraiment un enfer. J'étais complètement rasé pour montrer que la honte un peu pour tout le monde, pour dire qu'il faut pas. J'étais battu aussi comme exemple pour que les gens puissent pas s'échapper de ce camp-là. Et suite de ça, après 2 ans, j'ai pu partir en France avec ma famille. Et quand je suis arrivé en France, et ce qui est bien, c'est je suis arrivé en France et ce qui est bien, c'est le système scolaire français, ça fait que l'école est obligatoire, donc je suis obligé d'aller à l'école. Et j'ai découvert vraiment un système scolaire où ça m'a permis d'apprendre et j'ai appris et je suis arrivé à passer mon bac. Voilà. Kampa attılar, işte onu anlatıyor, dövdüler, saçlarımı 0 numara kestiler, yani farkımızı göstermek için. Tam bir işkenceydi kamp hayatı diyor. Sonunda ailemle beraber oradan işte Fransa'ya gittik diyor. Ve Fransa'da büyük bir değişiklik onun için. Çünkü Fransa'daki sistemde okul mecburi. Herkes okula gitmek zorunda. Böylece okula gitmiş oldu. Ve sürekli bir şeyler öğrendim. Hep bir şeyler öğrendim. Böylece lise diplomasını aldım diyor. Voilà. J'ai réussi à avoir un bac scientifique et mes parents ils pensaient que j'allais faire docteur ou ingénieur comme tous les enfants asiatiques. Tüm Asyalılar gibi benim de doktor ya da mühendis olacağımı bekliyordu. Çünkü iki türlü lise bitirme diploması vardır. Orada da girdiğiniz imtihanlara göre değişir. Bu da teknik yani scientific bir diploma almış. Ailesinin beklentisi de o yönde zaten. Voilà, je suis inscrit dans, dans 2 universités en même temps pour apprendre toutes les langues qui pouvaient exister, même le swahili, l'italien, le chinois. Et j'apprenais au moins une dizaine de langues pendant 2 ans, pour le plaisir. İki ayrı üniversiteye birden yazıldım dedi ve aynı anda 10 dil öğrenmeye başladım. Yani aklımıza gelebilecek Çin, Hince dahil bir sürü dil, sırf zevk için. Parce que j'ai décidé de voyager et sans besoin d'interprète, pouvoir parler toutes les langues avec tout le monde possible. Çünkü hedefim hiç kimse hiçbir aracı olmadan dünyanın her yerine gidip herkesle konuşabilmekti. Et au bout de 2 ans, j'apprends tellement de choses que je commence à m'ennuyer, donc du coup, je dis tiens, je veux être artiste. Donc c'est comme ça, j'ai passé un concours des beaux-arts pour être artiste. Voilà. Fakat bir noktada yok ben sanatçı olacağım demiş ve Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmiş. Et bon voilà, au bout de 2 ans beaux-arts, je m'ennuie aussi. J'ai appris la peinture, la sculpture, en fait toutes les disciplines des beaux-arts possibles.
Et je trouvais que Beaux-Arts, on parlait beaucoup d'art conceptuel, des choses comme ça. Et puis moi, ça m'ennuyait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et du coup, j'ai dit, l'art, pour moi, doit être accompagné d'un engagement politique ou un engagement physique, un engagement moral, tout engagement possible. Ve güzel sanatlarda korkunç sıkılmış. Resim, heykel, her türlü şeyi denemiş. Ama bütün bundan onu çok sıkmış. Çok kavramsal gelmiş bütün o Güzel Sanatlar Akademisi'nde yapılanlar. Benim bir şeyle daha bir bağlantı kurmam lazım demiş. Yani ne yapacaksam yapayım daha bir kendimi vererek yapabileceğim bir şey bulmam lazım demiş. Et un événement politique qui est arrivé et qui m'a offert cette possibilité-là dans mon engagement, c'est le décembre 89, la chute de Ceausescu, le dictateur de la Roumanie. Ve Romanya'da Ceausescu'nun devrilmesi 89 aralığında ne yapacağımı buldum demiş. Le 24, je me souviens toujours, c'est le 24 décembre où on fait la fête en famille pour Noël. J'avais une amie française, famille française, on fait Noël en famille. Quand j'ai vu des images, j'ai dit c'est pas possible, je peux pas rester faire la fête en voyant des images. Les gens se sont soulevés, luttés et tués en Roumanie. J'ai pris le premier train depuis Lyon, la France, jusqu'à Belgrade, et de Belgrade j'ai pris un bus jusqu'à la frontière à Timișoara. Et à la frontière, j'ai marché pendant la nuit, je suis arrivé en Roumanie, tout seul, sous la neige, à minuit, je me rappelle, et des soldats roumains me voyaient arriver sous la neige, couvert de neige, avec un Asiatique, ils étaient hallucinés. Noël gecesi, televizyonda Romanya'da olanları görmüş, aa ben burada duramam demiş, kalkmış, trene atlamış, Bükreş'e kadar gitmiş, oradan da yürümüş. Sınırla, Romanya sınırına kadar varmış ve sınırı geçmiş. Korkunç da bir kar yağıyor. O karın altında böyle karla kaplı bir durumda. Romanyalı askerler bunu görmüş. Böyle bir uzak doğulu bir yüz karla kaplı. Adamlar şok olmuşlar. Ne oluyoruz falan olmuşlar. Et la chance que j'avais c'est que le roumain se ressemble un peu à l'italien, français et l'espagnol. Donc comme je parle les trois langues déjà, j'arrive à me faire comprendre. Aux soldats, des douaniers qui gardaient la frontière pour pouvoir me laisser entrer dans le pays sans visa, sans rien. Hiçbir evrak yok üzerinde, yani pasaport vizesi yok en azından. Ama Fransızca, İtalyanca, İspanyolca biliyor tabii bütün o dillerin arasında öğrendikler arasında ve Romanca bu üç dilin karışımı gibi bir dil. Böylece gümrük polisleriyle anlaşabilmiş, gümrüklerle ve onları ikna etmiş Romanya'ya girmeye. Et j'ai réussi à dire solidarité avec le peuple roumain, abat le dictateur. C'est mon mot de passe, ils m'ont laissé passer. Kahrolsun diktatör, işte halkla, Roman halkıyla dayanışma için ne demiş ve girmiş. Et je suis arrivé à la nuit à Timișoara. Et il y a encore des combats, des tirs, des choses comme ça. Et on m'a amené voir à l'époque, aujourd'hui, on sait que ils ont exagéré des morts. Les morts, c'était pas autant que ça. Et après, je suis parti de Timișoara jusqu'à Bucarest. Et c'est là que j'ai rencontré des étudiants des Beaux-Arts et tous les étudiants qui manifestaient pour la liberté. O sırada hala silah sesleri falan geliyordu ama bir şey fark ettim dedi. Bize anlatıldığı kadar aslında ölü falan yoktu etrafta. Bayağı abartılmış olay. Oradan Bükreş'e geldim dedi. Voilà. J'étais avec des étudiants de Beaux-Arts quand j'ai vu comment ils travaillaient avec peu de moyens dans le froid, avec juste des charbons. Et ils arrivaient à produire des choses extraordinaires. Et je me suis dit, aux Beaux-Arts, moi, aux Beaux-Arts à Paris, à Lyon, on a tous les moyens, on est au chaud et on se plaint en permanence et on manifeste pour rien. Et donc du coup, j'ai fait des photos comment ils travaillent, des étudiants, et je suis rentré à Lyon, à l'école Beaux-Arts, et j'ai mobilisé toute l'école pour dire il faut qu'on aide ces étudiants-là à trouver du matériel, à le ramener. Et il se trouvait qu'il y a des journaux qui sont venus pour m'interviewer parce que j'étais le seul Français qui partait comme ça et qui revenait avec...
avec les premiers témoignages. Donc ils m'ont interviewé et passé à la presse. Et suite de ça, il y a une ONG qui a vu mon interview. Ils m'ont appelé et dit « on va vous proposer de transporter gratuitement tout le matériel que vous allez récolter pour la Roumanie. » Şey Romanya'da Güzel Sanatlar Akademisi'ne gitmiş, bakmış orada insanlar, öğrenciler ellerinde böyle kalemlerle, malemlerle hiçbir malzemeleri yok, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama nasıl olur bu iş falan demiş, Fransa'ya geri dönmüş Lyon'daki Güzel Sanatlar Akademisi'ne ve herkesi bir harekete geçirmiş. Bir sürü malzeme toplamış, o malzemeleri bunlara göndereceğiz demiş. Bu hikayeyi duyan gazeteciler bunlar röportaj yapmışlar. O röportaj yayınlanınca bu sefer bir sivil toplum kuruluşu biz size yardımcı olalım, bütün malzemeleri oraya biz taşırız demişler ve bir şekilde bu işlere girmiş oldu. Et je suis parti en plein hiver en 90 en Roumanie avec le convoi et l'association humanitaire s'appelait Équilibre, qui n'existe plus aujourd'hui. Elle organisait un convoi un peu avec la presse, des journalistes, avec du matériel, la nourriture, les couvertures, plus transport gratuitement le matériel des Beaux-Arts pour nous, pour les étudiants des Beaux-Arts à Bucarest. Et quand on est arrivé à Bucarest, donc, j'étais avec un ami artiste aussi, on a donné le matériel. Et puis quand on allait partir, il y a un journaliste qui a découvert, le soir on s'est retrouvé, il a dit j'étais le seul à avoir un appareil photo, mais l'appareil photo c'était juste pour les photos de voyage. Et il m'a dit, il faut que tu fasses des photos. Absolument, on a découvert des mouroirs pour les enfants, des orphelinats ou des mouroirs. C'est-à-dire des orphelinats, on laisse mourir les enfants. Ce convoi-là, Bükreş'e gitmiş. Bu konvoyu düzenleyen sivil toplum kuruluşu Équilibre, Denge. Ama artık yok bu kuruluş. Ve bir sürü gazeteci falan filan da var onlarla beraber. Malzemeleri vermişler. Bunun bir kendi fotoğraf makinesi var aslında yanında. Ama o fotoğraf makinesi hani belgesel fotoğraf falan çekmek için o niyetle taşımış. Ve orada bir yer görmüş. Bir çocuk yurdu gibi bir şey. Ne? Yetimhane. Ama çocukları ölüme bıraktıkları bir yermiş orası aslında. Yani öyle tuhaf. Yanlış kelimeyi de anlamamıştım. Emin olmak için tekrar sordum biraz önce farkındaysanız. Çok tuhaf bir şey yani çocukları ölüme bırakan yetimhane kavramı. Öyle bir yere gitmiş. C'est comme ça que il m'a amené dans cet endroit-là et j'ai dit je suis pas photographe, je suis incapable de faire les photos. Et surtout quand j'ai vu des enfants, comment ils sont enfermés dans un endroit qui est complètement, il n'y a pas d'aération. Les enfants, ils sont complètement à moitié nus, ou complètement nus et complètement décharnés, avec des cicatrices partout. Et ils vivaient sur le sol, froid, ciment, comme des animaux. Et ils mangeaient par terre comme ça. Et j'ai dit, je ne peux pas faire des photos, parce que pour moi, ce sont des êtres humains. Et si je fais des photos debout comme ça, c'est comme si je dois les respecter en tant qu'être humain comme moi. Et je suis incapable de faire photo. Et rentrer dans la pièce, ça sentait d'extrêmement, ça sentait l'urine et c'est très asphyxiant comme odeur. Buna fotoğraf çek demişler ama oradaki görüntü korkunçmuş. Yani çocuklar yara bere içinde, yerlerde çırılçıplak yahut da çok az giyim var üzerlerinde. Dışkı tutuyor falan yani baya kötü bir şey. Ben bunları bu şekilde çekemem demiş. Yani bunlar insanları ben bu şekilde çekmek istemiyorum demiş. Bayağı anladığım kadar zor bir durum orası. Et donc c'est là que j'ai appris tout seul. C'est exactement, j'ai pas changé ma vision d'aujourd'hui, de ma manière de faire la photo. C'est prendre le temps. Complètement immergé, même si la situation la plus dure, c'est-à-dire m'intégrer, c'est m'asseoir par terre avec eux, et j'attends pendant un quart d'heure, j'étais comme tétanisé, j'arrivais pas à faire la photo, donc j'attends un quart d'heure, une demi-heure, et je commence à faire la photo, seulement à la même hauteur que les enfants qui sont assis, à la même hauteur des yeux avec eux. Bugün de aynı sistemi aslında sürdürüyorum, o günden itibaren.
Yere oturdum, onların seviyesine geldim ve 15 dakika icabında yarım saat fotoğraf çekmedim. Belli bir ilişkiye girdikten sonra ve göz hizasında, aynı göz hizasında olduğum zaman fotoğraf çektim dedi. Et ça c'est devenu comme mon principe de dire toujours respecter, faire les photos, respecter l'humain au même niveau que moi. Et quelles que soient les conditions, les plus difficiles, faciles ou la guerre, je dois toujours faire la même chose. Şartlar ne olursa olsun, savaş bile olsa, bu ondan sonra sürekli riayet ettiğim bir kural oldu benim için hayatta. İnsanlarla aynı seviyede olacağım ve onları onlara insan olarak davranacağım. Voilà. Et il se trouvait que j'ai le journaliste qui m'a demandé de faire une photo, qui travaille pour un grand journal qui s'appelle toujours Libération, et qui a publié des photos. Et suite à ça, l'ONG qui m'a aidé à transporter le matériel, quand ils ont vu les photos, ils ont dit est-ce qu'on peut utiliser pour des photos pour des appels de fonds, pour le fundraising. Et ils ont utilisé quelques photos pour, ils appellent ça des mailings pour les donateurs. Et ils ont reçu beaucoup, beaucoup d'argent et ils se sont rendus compte que la photo est importante. La photo a aussi un impact quand c'est une bonne photo. Un impact si ce n'est plus que des textes qui expliquaient pour demander pourquoi ils demandaient de l'argent. Ekilip diye bir gazetenin de gazeteciler vardı. Onların da fotoğrafları çıktı. Ama bu sivil toplum kuruluşu onun fotoğraflarını görünce senin fotoğraflarını kullanabilir miyiz dediler. Amaç para toplamaktı. O fotoğrafları yayınlayarak para topladılar ve inanılmaz derecede para toplamışlar ve böylece fotoğrafın gücünü anlamış sivil toplum kuruluşu. Yani doğru fotoğraf olduğu zaman yazılardan daha etkili oluyor ve çok büyük fayda sağlıyor. Et l'ONG m'a proposé, ils ont utilisé les photos gratuitement, j'ai donné la permission et en plus ils m'ont demandé si je veux travailler avec eux. Et moi j'ai dit non, je ne suis pas photographe, je suis artiste et je ne suis pas photographe. Et j'ai mes 5 ans d'études à finir et je dois avoir un diplôme pour faire plaisir à ma mère. Voilà. Ve sivil toplum kuruluşu buna iş teklif etmiş. Yani bu fotoğrafla bu kadar iş yapınca. Ve o da demiş ki ya ben fotoğrafçı değilim, ben sanatçıyım ve daha güzel sanatlara devam etmem lazım ve okul bitirmem lazım, yoksa annem bana çok kızar demiş. Donc à l'âge de 23 ans ou 22 ans, j'étais déjà indépendant, je pouvais gagner ma vie, mais j'ai pas envie, je voulais la mener une vie d'artiste. Et donc j'ai leur dit, d'accord, mais je partirai dans les missions humanitaires uniquement pendant les vacances. Donc suite à ça, pendant 3 années, toutes mes vacances, Noël, Pâques, les grandes vacances, 3 mois, je suis en Roumanie ou en Irak, dans les zones de guerre, ce sont mes vacances. O tarihten sonra da tüm tatillerde, yani yaz tatili olsun, Noel olsun, tüm tatillerde çalışmış ve hayatını epey iyi kazanmış o sayede. Ama bu ilk fotoğrafları söylemeyi unuttum. Bu ilk fotoğrafları verdiğinde tamamen hediye etmiş, hibe etmiş fotoğrafları. Bir para falan istememiş ilk verdiğinde. Et donc du coup, en partant en vacances, les photos de vacances, entre parenthèses, ce sont des photos pour moi, des témoignages, mais en même temps des photos d'engagement. Il y a un engagement pour moi, c'est la raison pour laquelle je fais les Beaux-Arts. J'ai passé mon diplôme et ma thèse sur l'engagement artiste, quels que soient les moyens, il y a la photo, vidéo, la peinture, la sculpture. Et pour moi, c'était la photo parce que ça me correspond plus. Donc du coup, j'ai commencé à apprendre la photo. Au Beaux-Arts, on n'apprend pas la photo, on n'apprend pas la technique. On apprend juste à être artiste, mais on n'apprend pas à utiliser un appareil photo. Personne ne vous apprend à utiliser un appareil photo. Et j'ai appris tout seul. Et c'est comme ça que j'ai découvert des grands photographes français, comme c'est devenu mon maître un peu, c'est Henri Cartier-Bresson. Ce sont des cadrages, les photos instantanées, les photos sur le vif. Et c'est comme ça que je voulais faire. Güzel sanatlarda size fotoğraf çekme öğretmiyorlar. Yani sanatçı olduğu öğretiyorlar ama hiç fotoğraf çekme öğretmiyorlar. Bunun üzerine Fransa'da bir sürü tabii meşhur fotoğrafçı var. Özellikle Henri Cartier-Bresson ustam oldu diyor. Ve o sayede bayağı bir ilerlemiş anladığım kadarıyla. Bu arada söylemeyi unuttum. Hep geri dönüp şey yapıyorum. Bu tatillerde fotoğraf çekiyor dediğim hep savaş bölgelerine gidiyor ama. Yani Irak, işte bilmem
Romanya'daki olaylar falan bütün bunları takip etmeye gidiyor. Yani böyle zevkle fotoğraf çekmiyor. Boş şeyler. Hep böyle bir belli konulara şey yapıyor ve şeyi de bitirme tezini de güzel sanatlarda bu şekilde veriyor. Voilà, maintenant je vais vous montrer des photos. Ce sont des photos, je commence par la Roumanie parce que ce sont mes premières photos. Mais je n'ai pas voulu montrer les premières photos qui sont prises parce que elles sont très très dures. Et je n'ai pas voulu, je voulais montrer, la seule que j'ai voulu montrer, c'est ce gamin-là qui est dans le lit. Et le reste, des photos, je suis engagé aussi à créer un centre d'accueil pour les enfants de la rue. Donc j'ai suivi pendant plusieurs mois, pendant 2 ans, les enfants de la rue qui sont abandonnés, qui vivent dans les égouts, qui sniffent la colle et qui sont attrapés par la police, qui sont dans les tensions. Voilà, j'ai voulu commencer par la Roumanie. Je vais vous montrer. Tout ça, c'est de la Roumanie? Oui, la Roumanie. İlk fotoğrafları pek göstermeyeceğim. Tek bu fotoğrafı gösteriyorum oradan. Çünkü biraz sert fotoğraflar onlar. Ve 2 sene boyunca bu çocukları takip ettim. Kimisi işte alkol bağımlısı çekiyorlar falan filan. Polisler tarafından sürekli takip ettiler. Hep onları çekmiş, onları gösterecek. Bu beni tala lüneye mi? Ça, c'est la première Voilà, et ça c'est la série. Après, quand j'ai commencé à faire des photos sur les enfants de la Roumanie, j'ai continué à faire un travail sur les enfants dans le monde entier où ils sont dans les zones de guerre. Et là, ce sont les enfants en... On peut éteindre la lumière sans problème. Et là, c'est les enfants afghans dans les camps au Pakistan. Romanya'daki çocukları çektikten sonra dünyanın diğer tarafındaki çocukları çekmeye devam ettim. Bu Pakistan'daki Afgan'dı çocuklar, yani Pakistan'da bir kamptaki Afgan'dı çocuklar. Et ça c'est en Bosnie, pendant la guerre en Bosnie. Les premières photos en 91, des enfants qui se sont abrités dans les abris pendant les combats. Bu da 91'de Bosna'dan Et ça, c'est des enfants de la rue qui travaillent dans les décharges au Cambodge. Bu da Kamboçya'da sokakta çalışan çocuklar. Ça, c'est en Équateur. Evet, Équateur olmadığınız herhalde. Et ça, c'est en Bolivie. Bu da Bolivya. Et ça, c'est un travail sur les enfants qui sont nés dans les prisons où les mères sont en prison et les enfants qui sortaient de prison pour aller à l'école. Bu çocuklar hapishanede doğan çocuklar, anneleri hapishanede. Bunlar hapishaneden işte okula gidip geliyorlar. Et ça, c'est à Haïti, les enfants sous embargo en Irak. Sous embargo. C'est-à-dire que le pays était sous embargo. Et des enfants pouvaient mourir parce qu'il n'y a pas de médicaments. Evet, Irak'taki ambargo sırasında ilaç olmadığından çocuklar ölebiliyordu. Et ça, c'est des enfants pendant la guerre de Kosovo. La Kosova'daki savaş. Ce sont des enfants palestiniens. Filistinli çocuklar. Ça c'est au Rwanda pendant le génocide. Rwanda'daki soykırım.
Et ça, c'est des enfants exilés tibétains en Inde. En Inde. Oui. Hindistan'a kaçmış Tibetli çocuklar. Et là, bon, c'est un travail un peu, c'est un travail sur, c'est l'actualité sur le Sud-Soudan pendant la grande famine en 94. 94'teki büyük açlık sırasında Güney Sudan. Et là, j'ai voulu montrer le noir et blanc, couleur, parce que je travaille, quand c'est des commandes, des fois c'est en couleur, et je travaille personnel, c'est en noir et blanc. Et la couleur, des fois, quand je travaille sur le terrain, je travaille avec plusieurs appareils photo. Voilà, les formats 24-36, 6-6, j'avais pas de principe. J'avais pas de principe. Et je fais toujours les photos en fonction j'adapte le matériel en fonction de ce que je ressens. Şeyde fotoğraf çekerken birkaç ayrı fotoğraf makinesi kullanıyor. 24-36 olabiliyor, 6-6 olabiliyor. Belli bir prensibim yok diyor. Ne hissedersem ona göre davranıyorum. Bir keresinde bana şey anlatmıştı. 5 kamerayla aynı anda geziyorum demişti. Voilà, est-ce qu'il y a des questions déjà sur la première partie? Bon, je crois que personne ne comprend en français. Bu bölümle ilgili soru olan var mı? Toplam kaç yıllık bir çalışma acaba bu? Hangisi? Sadece şu seyrettiğimiz. Tout ça pendant 3-4 ans, parce que j'ai l'impression, à l'époque, oui, je voyage. Quand on travaille dans l'humanitaire, où on peut s'amener, par exemple, le matin, je suis en Pologne, où il fait moins 15, et le lendemain, je peux être il fait plus de 50 dans le désert en Mauritanie, par exemple, sur les Touaregs. Le lendemain, je peux être à un écart de température et un endroit complètement différent. Çeşitli iklim şartları da olabiliyor. Yani bir gün böyle -15'teyken öbür gün çölde +50 de olabiliyor. Et à l'époque, j'étais jeune, j'ai encore l'énergie, je pouvais être comme ça, j'avais pas de décalage horaire, je peux dormir n'importe où. Ve jet lag falan olmuyordu. Ya, gençtim, enerjiktim. Bana problem olmuyor dedi. Buyur. Comment? Quand vous le tenez chez vous, dans une autre vie? Ah, dans la vie, non. Qu'est-ce que vous avez psychologiquement? Ah, j'ai un très bon psychologue, un psychiatre. Et ouais, quand je retourne à la vie normale, entre parenthèses, c'est l'enfer. Voilà. Oui, oui, c'est très cher. C'est moi, en plus, c'est cher. Bayağı pahalı bir psikiyatrım var diyor. Ve yani normal hayat dediğin şey benim için cehennem diyor. Donc c'était le deuxième livre. Ouais. Et là, je vais bon, comment on fait pour les diaporama, voilà. Et pour moi, ça c'est la première photo en janvier, février, mars 91,
Les premières images qu'on voyait, Saddam Hussein, il massacrait les peuples kurdes. Et la population kurde et la population chiite au sud fuyaient pour pouvoir survivre dans les montagnes turques. Et on m'a envoyé tout de suite sur place, parce que je parlais plusieurs langues et j'arrivais à me débrouiller tout seul, arriver dans les montagnes pour savoir les routes, comment en tant que logisticien, comment organiser les camions qui arrivent de France avec la nourriture, les couvertures, pour pouvoir donner à cette population-là. Voilà. Bunlar 91. 91 yılında Kürtler saldırıya uğrayınca Türk sınırına doğru kaçmışlar, dağlara doğru. Ve Fransızlar da işte yardım malzemesi göndermişler. İşte lojistik nasıl oluyor falan filan diye. Bu da orada yardım ediyor. Et ce pays m'a tellement, l'Irak a m'a tellement émerveillé, même si dans les conditions les plus difficiles, j'ai été complètement touché par ce pays-là. Ve bu ülke beni çok etkiledi, çok zor şartlardaydılar. Et quand je commençais à photographier des réfugiés qui fuyaient la mort pour pouvoir survivre dans les conditions sous la neige, dans les tentes ou même dans les grottes, et tout d'un coup, je me disais comment je vais pouvoir les photographier, parce que je n'étais pas pour la presse ni quoi que ce soit, mais pour moi, comment je vais pouvoir les photographier. Et ça arrivait comme ça, comme une évidence, c'est-à-dire, je les voyais, eux, je les voyais moi, je voyais ma famille, je voyais... c'est comme si je dis, voilà, pour moi c'est l'occasion de pouvoir photographier quelque chose que j'ai vécu et que j'ai pas pu mettre des images ou les mots sur cette souffrance-là, sur la vie d'exil, sur la vie de persécution. Şimdi kendi hayatıyla da bir ilişki kuruyor burada, çünkü o da böyle kamplarda yaşamış, kaçmış zamanda. Bunların bu ölümden kaçışlarını işte çadırlarda, mağaralarda falan yaşamlarını görünce ben bunları nasıl fotoğraflayacağım şimdi demiş. Nasıl fotoğraflarını çekebilirim? Aslında bu benim kendi yaşamış olduklarımı fotoğraflamak gibi bir şey diye düşünmüş. Çünkü zamanında kendisi de bunları yaşamıştı. Kendisiyle bir şekilde özdeşleştirmiş oradakileri. Et c'est pour ça que dans ce moment-là, je m'occupais pas du tout de la lumière ni quoi que ce soit, c'est juste je travaille uniquement avec l'émotion, avec de ce que je ressens. Et des photos doivent parler, doivent traduire ce que je ressentais et ou doivent traduire aussi la détresse des gens. Et quand j'ai photographié cette femme là, et j'ai l'impression de photographier ma propre maman, ma propre mère. Donc du coup, je la voyais dans les moments comme ça aussi quand j'étais petit, quand on fuyait le pays. Où il y a des moments de détresse. Mesela bu fotoğraftaki kadını çekerken sanki kendi annemin fotoğrafını çekiyormuş gibi oldum, çünkü işte biz de kaçarken aynı bu şekilde sıkıntılar yaşıyorduk. Et techniquement la photo était pas bonne. Elle est pas bonne du tout, elle est floue. Elle est floue, elle est pas bien cadrée, mais pour moi l'émotion elle reste. Ve bu fotoğrafları çekerken, biraz öncekinden başlıyorum tekrar anlatmaya. Bu fotoğrafları çekerken artık ışıkmış, kadrajmış, teknik olarak hiç kafaya takmıyorum. Bütün derdim o hissiyatı aktarabilmek. Mesela bu fotoğraf aslında flu, kadrajı yanlış. Ama benim için hiç önemli değil, mühim olan o hissiyatı aktarabilmek. Et à l'époque, on travaille pas au digital, on travaille avec des films. Chaque film, il y a 36 poses. Donc chaque photo, pour moi, elle doit être bonne. Je ne peux pas faire une situation, trois images, trois clics pour faire une photo. Chaque fois, donc du coup, ça m'a obligé à être très, très exigeant dans le regard. Chaque fois que je regarde, je dois comprendre comment ça se passe, la situation, et comment je dois anticiper ce qui va se passer pour pouvoir faire la photo. Et c'est comme ça que c'est ça l'exigence. C'est-à-dire que quand on fait une photo, pour ne pas la rater, pour ne pas utiliser... les pellicules, parce que si on utilise la pellicule, après on n'en a plus. On peut pas, c'est pas le digital, on peut regarder, on peut mitrailler, on peut les effacer. Et à l'époque, c'était des films, je travaillais en film noir et blanc, donc j'avais pas beaucoup de films sur moi. Et chaque photo, je dois apprendre à regarder. Mais en même temps,
à obliger mentalement à comprendre la situation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Les gestes, des choses comme ça. Donc du coup, j'étais comme en transe un peu, quand j'étais comme en harmonie avec des gens dans la souffrance, mais aussi dans les gestes aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a au niveau gestuel, j'ai l'impression d'être avec eux moralement et physiquement. O zamanlar analog zamanlar, yani dijital fotoğraf makineleri henüz yok ve 36'lık filmler, siyah beyaz filmler, yani üzerinde belli miktarda film var ve her bir kareyi çok düşürerek çekmek zorunda. İnsanların ne hissettiğini, ne yapacağını, bundan sonra yapacağını öngörmesi gerekiyor ve doğru zamanda çekmesi gerekiyor. Onlarla beraber hissediyor, onlarla beraber hareket ediyor. Tam onlarla bir şekilde hissi ve fiziksel olarak bir birliktelik kuruyor. Est-ce que vous pouvez éteindre la lumière, s'il vous plaît? Merci. Voilà, par exemple, la photo, cette photo, pareil, elle est mal cadrée. Elle est mal cadrée, donc du coup, j'ai coupé les pieds parce qu'on ne peut pas vérifier sur l'écran. Mais ce n'est pas grave, on le fait les photos parce qu'il se passe quelque chose. Mesela burada ayaklar kesilmiş ama mühim değil. Yani ben olayı çekmeye çalışıyorum. Et c'est comme ça que en 91 quand j'ai démarré vraiment la photo pour l'ONG et je fais aussi un travail en tant que chef de mission et c'est comme ça qu'il m'amène à rencontrer des leaders politiques ou des gens qui sont devenus aujourd'hui, qui étaient devenus aujourd'hui président de la président d'Irak, par exemple, Jalal Talabani était président d'Irak et qui est mort il y a un an et demi où j'étais à son enterrement aussi. Donc je l'ai bien connu à cette époque-là. Mesela burada Talabani'yi görüyorsunuz. Yani o zamanlar tanımış oldum. Et que aujourd'hui je continue à travailler sur l'Irak après 91. C'est presque, ça va devenir 30 ans que je travaille sur l'Irak et j'ai jamais réussi à faire quelque chose. Et je veux faire un livre sur l'Irak, mais sur les 30 ans. Et je voulais prendre mon temps, vraiment travailler. Et j'ai retrouvé des gens aujourd'hui que j'ai photographiés en 91 et que j'ai retrouvé aujourd'hui en 2017, depuis 2017, que des gens dans tous les niveaux sociaux, des paysans, chefs des villages, ou un soldat peshmerga qui sont devenus aujourd'hui soit premier ministre ou ministre de l'armée ou président de la région. 91'de tanıdığım kişiler 2017'de mesela bazılarıyla tekrar görüşmüş. Çok değişik noktalara gelmiş. Kimisi işte savunma bakanı, kimisi başbakan. Yani o zamanki bir peşmerge askeri bugün işte savunma bakanı. Yani öyle bir 30 yıllık bir geçmiş. Bu 30 yıllık bir kitap yapmak istiyorum diyor ama henüz yapmamış. Donc l'Irak c'est devenu vraiment mon sujet principal, mais ma raison de vivre en fait. Mais entre-temps, entre les chaque fois il y a des guerres en Irak, entre-temps, ben j'ai pu faire autre chose, par exemple aller chez retourner au Laos, faire d'autres sujets plus léger pour pouvoir changer les idées de la guerre. Irak benim ana konum ama arada biraz fikir dünyam değilsin diye başka şeyler de yaptım diyor. Mais je précise parce que je suis pas un photographe de guerre comme les grands reporters de guerre. Je suis un photographe témoin de ce qui se passe en Irak. Donc, comme il y a la guerre, je suis là pour faire les photos, mais je me considère pas comme un photographe de guerre. Ben bir savaş fotoğrafçısı değilim. Ben sadece orada bulunup onların durumlarını, hayatlarını çekiyorum. Bu ya bu kadar. Bon, là, c'est on retourne sur l'Irak, de la vie quotidienne pendant l'embargo. Ambargo sırasında günlük hayat Irak'ta. Et à l'époque, depuis 91, 94 jusqu'à la chute de Saddam, j'étais vraiment le seul photographe
qui pouvaient avoir les visas et aller à Bagdad. 94'ten Saddam'ın düşüşüne kadar vizesi olan ve Bağdat'a girebilen tek fotoğrafçıymış. Et j'ai pu travailler comme je voulais pendant la dictature de Saddam. J'avais pas de policiers ou des hommes de le ministère de l'information pour me coller et pour surveiller ce que je faisais en permanence. Ve tamamen serbest çalışabilmiş, yani onu kontrol eden polis ya da işte emniyet görevlisi falan kimse yokmuş. Donc du coup, j'ai pu voyager de l'Irak du nord au sud sans problème. Irak'ın kuzeyinden güneyine hiçbir sorun olmadan gidebiliyormuş. Et ça, c'est un peuple mandéen. Les mandéens sont un peuple qui ont pré-chrétiens, sont des peuples, ce sont les baptistes. Et leur prophète, c'est Jean le Baptiste. C'est celui qui a baptisé Jésus. Et quand ils font, chaque année, ils font le baptême au bord du Tigre pour le Nouvel An, pour le purifier, au bord du Tigre. Et leur messe, c'est en araméen, la langue du Christ. Vaftizci neydi? Jean-Baptiste. Onun şeyini takip eden Hristiyanlar ve Nehir kenarında vaftiz oluyorlardı orada. Et là aussi j'ai fait un travail sur les familles chrétiennes à Bagdad. Ve Hristiyan aileleri diyecekti. Bu arada o şey, o kavim Aramyen, Aramca konuşuyor. Aramca o İslam zamanında konuşulan bir dil. İbranice'ye yakın ama İbranice değil. Et pareil là j'ai la chance ou je sais pas quoi. J'étais à Najaf, je voyageais en 97, j'étais à Najaf, Karbala, je pouvais voyager partout même dans les endroits les plus des endroits qui sont hostiles à Saddam Hussein. Donc j'ai pu aller sans avoir. Donc du coup j'ai pu photographier par chance ce leader religieux qui est un grand leader, qui est le père de Muqtada Sadr aujourd'hui, qui est un des grands leaders spirituels chiites aujourd'hui, qui s'appelle Mohamed Sadr. Et que cette photo m'a beaucoup servi aujourd'hui à pouvoir entrer dans le milieu chiite, dans le milieu le plus fermé à Najaf, Karbala. Et quand j'ai montré cette photo-là, ils m'ont dit « Comment tu as eu cette photo-là » Parce qu'un an après, il s'est fait assassiner par Saddam Hussein. Voilà. Saddam'a karşı olanların olduğu yerlere de çok kolaylıkla gidebiliyordu. Ve bu fotoğrafı da öyle şey, dini bir lider var. Ve bu fotoğraf sayesinde de bir sürü yere gidebiliyor. Çünkü fotoğrafı çektiği zaman sen bunu nasıl çekebildin diyorlar. Ve bir sürü yere böylece girme izni alabiliyordu. O fotoğraftaki kişi de bu fotoğraftan bir sene sonra Saddam tarafından öldürtülmüş. Buyurun. Kendi güvenliği açısından yaşadığı çok spesifik bir an var mı acaba? Hani tehlikede hissettiği? 10 sene fotoğrafı bırakmasına neden olan bir olay oldu. Tamam. Sırası gelince herhalde anlatır. Harbi, bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar tek başına olması, tek izin alınması, tek başına mı çalışıyordu? Yani bir ajansız mı çalışıyordu? Bir sivil toplum kuruluşu için çalışıyordu hatırlarsanız. O sivil toplum kuruluşuna gönderiyor genelde fotoğrafları. Bir ajans değil. Sonra bir ajans adına çalıştı. VÜ diye bir ajans var. Şu dönemde de mi o sivil toplum kuruluşuna? C'était pour les NGO ou pour le VÜ? Non, il y a mélange de tout. Au départ, c'était pour les NGO, puis après, c'était pour moi. Et après, quand je suis rentré à l'agence VÜ en 94, et je faisais des photos pour moi, mais dans les endroits où chaque fois c'est pour l'agence VÜ, mais c'est jamais pour l'agence VÜ. C'était des photos pour moi d'abord, et c'est l'agence VÜ qui est chargée de promouvoir et de les vendre. Fotoğrafları o sivil toplum kuruluşundan sonra hep kendim için çekiyordum aslında temel olarak diyor. 94'te ajans VÜ'ye girmiş, ama yine kendisi için çekiyormuş. Ajans VÜ onları sadece işte satıyor. Öyle diyeyim. Yani çünkü o fotoğraf ajansları o fotoğrafları satar ve bir yerlere verirler. Yani gazetelere falan filan veren ajanslar. Öyle.
Non, 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 non. Les visas, c'est moi qui par les contacts que j'ai, et je, à l'époque, quand je parlais à Bagdad, suffit que j'aille à l'ambassade, je parlais un peu l'arabe, salam alaikum, tout ça, et puis du coup, j'ai le visa tout de suite. Et ça, c'est grâce à mon origine asiatique, qui est mon père, qui est vietnamien, et quand on dit vietnamien, aux Irakiens, ils disent, ouais, les Vietnamiens, ils ont botté le cul aux Américains. Biraz Vietnam'da olmasına borçlu bu vizeleri sorunsuz almasını, çünkü bir ajans aracılığıyla almıyor vizeleri. Elçiliğe gidiyor. Ben Vietnam'da olduğunu söyleyince, aa siz Amerikalıları iyi şey yaptınız falan deyip hemen vize veriyorlar. Ça c'est les soufis. Ça c'est pendant les bombardements à Bagdad, donc des choses très officielles. Je pouvais accéder partout où je voulais sans être surveillé. Bağdat'taki bombardımanlar sırasında gördüğünüz gibi. Et même dans les endroits les plus les sites qui sont aujourd'hui, certains sites sont détruits par Daesh, par ISIS. Et j'étais à l'époque, je pouvais aller, j'ai l'impression de rêver vraiment des sites complètement déserts, complètement vides. J'ai l'impression d'être tout seul, je pouvais aller quand je veux. Et chaque fois, c'est ça qui m'a fait rêver en fait. J'ai l'impression de vivre comme dans les contes, comme dans les livres que j'ai lus quand j'étais jeune. Les mille et une nuits. Et l'Irak, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment les mille et une nuits. Tout est possible, tout peut arriver du moment où tous les rêves sont permis. Voilà. Bin bir gece masallarında gibiydim orada diyor. Mesela bazı sit alanları var ki, yani onun fotoğrafını çekmiş oldu, artık mevcut değil çünkü İslam Cumhuriyeti onları yıktı, yok etti. Et donc j'ai rencontré aussi des artistes qui font des statues géantes de Saddam. Saddam'ın dev boyutta heykellerini yapan sanatçılar. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça ne peut plus exister. C'est un des studios d'un photographe arménien où, à l'époque, il pouvait photographier des femmes qui sont habillées, pas dénudées, mais des voilées, qui sont en tenue légère. Et aujourd'hui, à Bagdad, on ne peut plus avoir ça. Il n'y a plus de studio de ce genre-là. Et en plus, des photos qu'il a même photographié Saddam Hussein. Des portraits Saddam Hussein, et c'est un photographe arménien que j'ai connu à l'époque. Bu Ermeni bir fotoğrafçı, zamanında kapalı olmayan kadınları çekebiliyorlarmış. Şimdi artık böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir stüdyo artık yok. Et pendant ces années d'embargo, et moi je luttais, j'ai pris un engagement contre l'embargo, parce que je disais l'embargo n'est pas l'embargo. Pour faire tomber l'embargo, dans l'idée des Américains, c'était pour faire tomber Saddam Hussein. Et en fait, pendant ces années d'embargo, c'est ça, Saddam Hussein, il tenait le pouvoir. Ils arrivent avec des pétroles, ils arrivent à vendre discrètement le pétrole. Et c'est lui qui a plus d'argent. Et en fait, l'embargo, ça tue plus la population faible, des gens qui ne peuvent pas avoir les médicaments. Et certains médicaments sont interdits pour l'importation. Donc c'est pour ça que je luttais pendant la période d'embargo. Et je me rappelle, cette époque-là, la presse ne s'intéresse pas du tout, mais je continue à travailler quand même, parce que pour moi, c'est un engagement de dire, je voyais des gamins qui mouraient à cause d'une diarrhée, tout simplement. Ben ambargoya tamamen karşıydım, bu Amerikan ambargosuna o zamanlar. Çünkü ambargoya rağmen Saddam bir şekilde el altından petrolü satıyordu, daha da zenginleşiyordu. Ama halk ölüyordu, böyle çok basit hastalıklardan, çocuklar falan ölüyordu. Çünkü ilaç bulunamıyordu, ambargoda ilaç gelmiyordu. Et un moment de découragement total, j'ai dit je vais arrêter la photo, je vais pas faire la photo de situation, je vais faire uniquement les portraits des gens, les faces, en face. J'ai dit voilà, face des gens, enlever tout le contexte, tout l'hôpital, tout le paysage à côté pour dire maintenant, c'est dans le regard qu'on voit la tristesse, qu'on voit la détresse. Ve bu noktada fotoğraf
fotoğrafları tamamen değişti. Gördüğünüz gibi sadece portre çekmeye başladı ve sadece yüz çevresinde hiçbir şey olmayacak şekilde çekiyor. Ama bu yüzde insanların ülkede yaşamakta oldukları sıkıntıları göstermeye çalışıyor. Et j'ai l'impression de retrouver le travail, mon travail, un travail photo, plus mon travail, plus tout ce que j'ai appris à l'école des beaux-arts en même temps. Ça m'a servi pour ça aussi. İşte güzel sanatlarda okuduklarım burada işe yaradı diyor. Et ce sont des gens simples, des artistes, des populations normales. Il y a pas, c'est que c'est des toutes les classes de la population d'Irak. Halkın her kesimi var. Yani sanatçısından halktaki herhangi birine kadar, halkın her kesiminden insanlar bu portrelerde var. Je suis désolé, je passe un peu vite, mais biraz hızlı gidiyorum çünkü zamanımız hızlı doluyor. Vous pouvez me dire arrêtez, voir une photo, si vous voulez. Voilà, je voulais raconter cette femme que j'ai rencontrée en 2000, que j'ai revue plusieurs années après, et même aujourd'hui. Et l'idée, c'est refaire son portrait et refaire son portrait chaque fois avec le changement, le temps. 2000'de gördüm bu kadını. Sonra zaman içinde birkaç kere daha çektim. Bir zaman değişim çektim. C'est la même femme. Aynı kadın. Voilà. Donc, et ce travail-là. Et d'où l'utilité de l'agence pour laquelle je travaille, l'agence Vue, c'est quand ils ont vu ces photos-là, ils ont dit ben, il faut qu'on envoie, même si ce n'est pas publié, il faut qu'on envoie au WordPress. Ve agence Vue'nin burada bir faydası oldu. Bu fotoğrafları görünce WordPress'e bunları gönderelim demiş. WordPress'i biliyorsunuz herhalde, çok önemli bir yarışmadır. Et moi je m'occupe jamais ces choses-là parce que je suis toujours sur le terrain. Ben hiç bu şey gibi şeylere gelmiyordum çünkü ben hep sahadayım. Ce travail-là a eu le prix du WordPress pour les portraits. Voilà. Les gens, ça s'appelle les gens d'Irak, la série des gens d'Irak. Irak'ın halkı insanları adındaki bu seri WordPress'te ödül aldı. Voilà. C'est des questions, sinon on va passer l'Irak plus contemporain. Evet. Başka soru var mı acaba yoksa konu değiştiriyoruz. Buyurun. Sadr fotoğrafı kaç yılından? Hangisi? Sadr ailesi. Sadr. Les photos de Sadr. Quelle année c'était? Les photos de Sadr. Muhammed Sadr'ın ailesinin fotoğrafı vardı ya, şey böyle şeyler, 5-6 tane. Oui. Portreleri özellikle çekerken veya başka yerlerde Arapça mı sürekli iletişim kurmuş insanlarla yoksa başka bir şekilde mi iletişim kurmuş? Oui, je parle très peu avec les gens quand je fais des photos. J'aime bien garder le silence. İnsanlarla fotoğraf çekerken çok az konuşurum. Mümkün olduğu kadar sessiz kalmayı tercih ederim diyor. Les informations que j'ai après, c'est prendre le temps de discuter avec eux, après passer le temps avec eux, discuter. Et prendre des informations de leur vie, des choses comme ça. Mais quand les prises de vue, c'est des... Je leur demande juste garder l'objectif, fixer l'objectif. Objectif bakırtıp fotoğraflarını çekiyorum ama sonra oturup kim olduklarını, ne yaptıklarını falan konuşuyoruz. Et le silence, pour moi c'est très important. Le silence c'est comme, c'est quelque chose, c'est le moment où je reçois l'émotion. Et c'est le moment où je fais passer aussi, où j'élimine aussi de ce qui est parasite. Je sais pas comment on fait expliquer. Oui. On peut dire par exemple. Oui. O sessizlik anı çok önemli çünkü o sırada tam bir iletişim kurabiliyorum. Hisler gidip geliyor ve dış etkileri kapalı oluyor. Parazitlere dediğimiz yani radyo parazitleri gibi düşünün. Et pareil, ça c'est un appareil 6-7, c'est un appareil qui est un grand format où on peut faire que 10 photos. Un film, seulement 10 photos. Donc chaque portrait, je ne peux faire qu'une personne, par exemple, je ne peux faire qu'une, des fois une seule photo, deux photos, et parfois, rarement, maximum 3 photos de la même portrait.
Des fois, les gens ferment leurs yeux et je sais qu'ils ferment les yeux et on ne peut pas vérifier, donc je refais une photo. Et le fait de garder le silence longtemps, mais longtemps, quand je dis longtemps, ça paraît très long. Quand je fixe la personne de visage, au départ, les personnes ils essaient de garder le côté un peu artificiel pour moi. Et le silence permet de dire que les gens ils se relâchent, ils attendent que je redonne des indications, mais je ne donne rien, je ne parle rien. Et du moment, quand il y a le silence, les gens se relâchent. Et j'ai l'impression que ces moments-là que je vois dans leurs yeux, vraiment de ce qui est un peu intime. On ne peut pas toucher complètement l'intimité. Je ressens un peu l'intime de la personne qui me donne ce moment-là dans le regard et je déclenche. Donc, le maston. Oui. Bu bir kere kullandığım makine 6x7 ve topu topu 10 film var makinede. Yani bir kişi normal şartlarda tek fotoğrafını çekiyor. Yani gözlerini kapadığını falan filan anlamışsa 2 çekiyor. Çok 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 hem de 3 tane çekiyor. Normal şartlarda bir kişi bir tek fotoğrafını çekiyor. Ama çok uzun süre sessiz kalıyor çekmeden önce. Çünkü bu sessizliğin başında insanlar hani bizim hep fotoğrafçılıkta konuştuğumuz bir insan şöyle kameraya baktırdığı zaman bir maske takınır ya, o maskenin düşmesini bekliyor aslında. Sessizlik uzadıkça maske düşüyor. O zaman işte onun fotoğrafını çekebiliyorum diyor. Evet. Var mı soru? Yok. On continue. Ok. Voilà, c'est l'Irak plus contemporain, c'est un travail jusqu'à 2018. Et c'est un travail où, bon, j'ai arrêté pendant 10 ans, je ne suis pas retourné en Irak pendant 2003 jusqu'à 2013, pendant ces 10 ans-là, pour la raison pour laquelle c'est que la première fois, j'ai failli mourir en Irak. Et j'ai la première fois que j'ai vraiment peur. Chaque fois que je partais dans les zones de conflit, j'ai jamais peur de rien, j'ai aucun doute. Si j'ai un seul doute, j'ai ce principe-là, si j'ai un seul doute, j'y vais pas. Donc c'est la première fois que j'ai, en Irak, en 2003, juste après la chute de Saddam, je suis parti à la recherche des Américains, sont rentrés, donc il y a des conflits entre les Américains et Al-Qaïda. Et moi, par scoop ou par vanité ou par photojournaliste, je me suis mis à dire que je connais bien le pays, je vais chercher Saddam Hussein. Il était caché quelque part, je sais où il est caché. 2003'te 2013'e kadar fotoğraf çekmeyi tamamen durdurdu. Biraz önce bahsettiğim olay. Çünkü normal şartlarda fotoğraf çekerken hiç korku hissetmiyorum. Yani herhangi bir şüphem olduğu zaman zaten bir yere gitmem. Ama hiç öyle bir şey yaşamadım bugüne kadar diyor. Ama 2003'te ölümle burun buruna gelmiş. Saddam Hüseyin düştükten hemen sonra Saddam Hüseyin'i ben bulurum, nerede olduğunu bulurum demiş ve yollara düşmüş. Et naïvement, bon, j'ai pris un chauffeur, une voiture, puis avec une collègue, et je suis parti à Tikrit, la ville où il est né, la ville où il y a toute sa famille, toutes ses tribus, à Tikrit. Et je suis arrivé à une maison, j'ai sonné ding dong, bonjour, je suis Nabdekien, je suis photographe en arabe. Et des gens, je connais les mentalités arabes, c'est des gens, ils vous reçoivent chez eux quand vous parlez leur langue, vous pouvez venir. Et la tradition, c'est on prend du thé, donc on m'a invité à prendre du thé. Et puis au bout, après un moment, le thé, après le salam alaikum, tout ce que j'ai dit, vous savez où est caché votre oncle, hein, Saddam Hussein. Là, il me regarde, est-ce qu'il est sérieux, ce Vietnamien? Bir şoför aldım bir arkadaşla beraber Tigrit'e gittim diyor. Tigrit Saddam'ın doğduğu yer, işte tüm akrabalar falan orada. Gidip kapıyı çaldım diyor. Merhaba, Arapça konuşmuştu orada. Merhaba falan demiş. İşte ben geldim. İşte Arapça konuşulduğu zaman kapıyı da çalıyorsanız işte içeri buyur ediyorlar, çay ikram ediyorlar. Çaydan sonra amcanız nerede biliyor musunuz demiş diye sormuş. Yani bir uzak doğulu bir yüz adama ve öyle biri Arapça konuşuyor. Bunlara amcaları yani Saddam'ı soruyor. İnsanlar bayağı bir şaşırmışlar. Voilà, donc du coup, je savais qu'ils le savaient. Mais je savais aussi qu'ils vont pas me dire où est caché leur Saddam Hussein, donc leur oncle en fait. Et donc du coup, j'ai dit, je leur dis, rassurez-vous,
Je sais que vous savez, vous n'allez pas me le dire, parce que on a, dans la tradition arabe, on se respecte dans la tribu, on a cette confiance-là. Et donc du coup, je suis parti et chercher tout seul à travers cette ville-là. Sizin, yani onların bildiğini biliyor ama söylemeyeceklerini de biliyor. Çünkü geleneksel olarak zaten aileyi korurlar. Onun için Saddam'ı ele vermeyecekleri aşikar. Tamam demiş, yani sizin bildiğinizi biliyorum ama söylemeyeceğinizi de biliyorum demiş ve ayrılmış ve şehirde tek başına dolaşmaya başlamış. Yani belki bir şekilde izine rastlar diye. C'est comme ça que j'ai rencontré, il y a des unités des Américains qui sont dans le coin. J'ai dit, tiens, ce sont des unités spéciales qui ne sont pas à Bagdad, mais ils sont ici. Donc j'ai dit, les Américains, ils savent aussi où se cache Saddam Hussein. Et donc du coup, j'ai rencontré des barrages américains qui m'ont arrêté et dit, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, bah, je viens chercher Saddam Hussein, il me regarde. Amerikan özel birliklerine rastlamış ki bu aslında bu tip birlikler Bağdat'ta yok. Yani orada olması da işte onların da Saddam'ı aradığını işaret. Bir sürü barikat falan filan da var. Barikatlarda bunu durdurmuşlar. Ne yapıyorsunuz burada demişler. Saddam'ı arıyor demiş. Et comme c'est une zone où il y a beaucoup de conflits entre les Américains et Al-Qaïda et les populations, parce que les Américains ils respectent ils ne connaissent pas des codes, tout ça. Donc, quand ils arrivent dans un village, ils ont cinq villages, ils prennent un par un les photographies, les fichiers, un par un, même les chefs, quoi. Et donc, du coup, ils les traitent comme des voleurs, un peu. Donc, du coup, les gens ils sont en colère et le soir, ils prennent le fusil et les tirent dessus. Donc, il y a des conflits entre eux. Donc, du coup, les Américains, ils encerclent deux fois le village. Et chaque fois, et je connais ces villages-là, et chaque fois j'allais rentrer dans le village, ils m'ont dit non, rentrez pas, ils vont vous tuer. J'ai dit ben non, ils vont pas me tuer, je les connais. Oui, mais ils me disent mais vous êtes pas armé. J'ai dit non, j'ai pas armé, j'ai juste le couteau suisse. En plus, c'est vrai, j'avais juste le couteau suisse. Şimdi Amerika'da bir yere geldikleri zaman, şehri çeviriyorlar, şehri değil ya, kasabayı köyü çeviriyorlar ve insanların tek tek fotoğraflarını çekiyorlar ve kötü davranıyorlar insanlara. Yani. Şef dedikleri ya da işte köyün ileri gelenlerine de aynı şekilde davranınca insanlar çok sinirleniyorlar ve akşam bunları ateş etmeye falan başlıyorlar ki karanlık olunca. Bu sefer Amerikalılar işte baskıyı artırıyorlar falan. O da kasabaya gidince ya işte köye gitmeye niyetlenince sana ateş ederler falan demiş. Yo bana ateş etmezler. Peki silahın var mı demişler. Bir çakım var demiş. Bon, et j'ai dit aux Américains, c'est quoi comme unité? Vous êtes une unité spéciale? Il dit oui, on est des strikers, une unité spéciale qui vient spécialement de Washington. Donc j'ai dit, vous savez où c'est Saddam Hussein? Donc il me regarde, dit, oh, c'est quoi ce photographe qui se moque de nous? Amerikalılarla biraz dalga geçmiş anladığım kadarıyla. Siz özel bir birlik misiniz? Evet, Washington'dan doğrudan doğruya buraya geldik falan demişler. Saddam nerede biliyor musunuz falan demiş. Bunlar yani dalga geçiyor aslında Amerikalılarla. Bunlar da işte ne biçim fotoğrafçı bu, bizde dalga mı geçiyor falan diye şey yapmış. Bon, il fallait rentrer à Bagdad parce qu'il était 5 heures du soir. Faut jamais rester en dehors du Bagdad. Et par principe pour éviter les kidnappings, des choses comme ça. Et avant de partir, c'est l'endroit où j'ai pris le thé à la vigne Samara, la vigne sunnite. Prends le thé avant de partir à côté de la mosquée et juste moment de partir, 2 minutes après, il y a eu un massacre, combat contre les insurgés irakiens et l'armée américaine. Et sur la route, quand j'écoutais la radio, il y avait eu 50 morts. Et je suis retourné le lendemain à l'endroit pour voir et c'est l'endroit exactement où j'ai pris le thé et des impacts de balles, des choses comme ça sur le mur. Et le serveur avait une jambe amputée. Voilà. Gitmeden önce işte caminin yanında bir yerde bir çay içmiş, ayrılmış. 2 dakika sonra da o ayrıldıktan sonra bir çatışma, büyük bir çatışma çıkmış Iraklarla Amerikalılar arasında ve orada 50 kişi ölmüş. Radyoda duyunca geri gelmiş oraya ve gerçekten biraz önce işte çay içtiği yerde
bir sürü kişinin öldüğünü görmüş ve bir tane işte bacağı gitmiş bir adam varmış. Et c'est la première fois que j'ai pris conscience de lire. Je suis en vie à 3-5 minutes près. Exactement au même endroit où je suis assis, c'est complètement le carnage. Donc je me suis dit, c'est la première fois que j'ai pris conscience de dire voilà, j'ai eu peur, faut que je rentre. 3-5 dakikayla ölümden kurtulmuş aslında. Çünkü 3-5 dakika önce orada olsaydı daha tam unutulduğu yer tam bir katliam alanı gibi gözüküyor. Ve işte o zaman birdenbire farkına varmış ki yani ölüm çok yakından geçmiş. Ve fotoğrafı öyle bırakmış o gün. Et en rentrant, ben, en passant par la Jordanie, j'étais à Amman le soir même. J'allume la télé, je vois les Américains, ils ont sorti Saddam Hussein, l'endroit exactement dans la ferme où je suis passé, et au bord du Tigre. Ve akşam dönerken Ürdün'de televizyonu açmış ve gerçekten onun geçmiş olduğu köyde Saddam Hüseyin'i Amerika'dan yakaladığını görmüş. Et je, du coup ça me fait penser de dire voilà je suis pas un photographe pour le scoop, j'aurais pu si j'étais resté, j'étais plus courageux, j'étais resté, j'aurais pu être le premier photographe à pouvoir photographier Saddam Hussein sortir de la cave en fait où il était et j'aurais pu avoir ça mais j'ai dit je regrette pas parce que je suis pas un photographe de guerre ni un scoop, ça m'intéresse pas. Moi, l'essentiel c'est toujours suivre mon instinct de rentrer, faire les photos et rentrer en vie. Aslında bir savaş fotoğrafçısı olmadığını böylece de anlamış çünkü orada kalsaymış bu Amerikalıların Saddam'ın saklandığı yerden çıkardıkları sırada fotoğrafını çeken fotoğrafçı olabilecekti. Ama bu benim işim değil, ben böyle bir fotoğrafçı değilim demiş. Otellerin tepesinden Bağdat bombalarken çektiği fotoğraf. Des images sont un peu dures parce que c'est des moments de guerre. Et là, à l'époque, ce sont des gens, des étrangers, des combattants, des moudjahidines qui viennent d'étrangers pour se battre à la place des soldats irakiens, en fait, pour aider Saddam Hussein à se battre contre les Américains. Et on les appelait pas encore Al-Qaïda. Et ce sont des Tunisiens, des Jordaniens qui viennent de l'étranger. Et j'étais avec eux. Et c'est les mêmes qui kidnappent et qui assassinent et qui sont devenus Al-Qaïda et ISIS et Daesh aujourd'hui. Et à l'époque, j'ai l'impression que j'étais un peu naïf, j'étais avec eux, je faisais les photos et je ne sais pas pourquoi ils m'ont laissé et j'étais le seul photographe à être avec eux, faire les photos, mais le côté combattant des Moudjahidines. Bu henüz Al-Qaïda oluşmamışken, bu da aslında sonunda Al-Qaïda olacak olan gruplar. Et là, c'est un Tunisien et un Jordanien, et en face, c'est des chars américains qui sont en train de bombarder. Donc, j'ai pris les deux risques, soit j'étais avec eux, et d'être bombardé aussi par les Américains. Et j'ai pu travailler, à un moment, j'ai dit, il faut partir. Burada, bu insanlar Ürdün'den, Tunus'tan falan oradan gelen, aslında yabancılar, Amerika'la karşı savaşıyorlar. Ve o bunlarla beraberdi ve Amerikalılar bombalıyorlar yani gitmem lazım diye karar vermiş. Voilà, les Américains sont entrés à Bagdad. Amerikalılar Bağdat'a girmiş. Et Saddam Hussein il stockait des armes dans les écoles pour les Moudjahidines. Et des gens peuvent venir se servir comme ça. Des stocks d'armes, énormément d'armes dans les écoles. Okullarda Saddam böyle silah depolamış. Mücahitler gelip rahatça bunları alıp kullanabiliyorlarmış. C'est pour ça que après, bon, il y a des Al-Qaïda se sont servis beaucoup d'armes et ils se sont montés des opérations terroristes. Al-Qaïda, bu sayede, bu silahlara sahip olunca bir sürü terörist hareketler yapabilmiş. Voilà. Ça c'est la guerre en 2003. Et après, j'ai pu 10 ans après, pendant les 10 ans. Qu'est-ce que j'ai fait pendant 10 ans? Ben, je suis retourné chez moi au Laos pour faire les photos sur le Mékong, me laisser verser par le bateau et me remonter
partir depuis le Vietnam, remonter le Mékong pendant 10 ans, jusqu'à la source au Tibet, au sommet de 6000 mètres à peu près. Ve bu tip fotoğrafçılığı böylece bırakmış, yani fotoğrafçılığı tamamen bırakmamış aslında 2003 yılında. Ve 10 sene boyunca yaptığı şey Laos'a geri dönmüş ve Mekong nehrini takip ederek Tibet'e kadar 6000 metre yüksekliğe kadar çıkmış. Et voilà, ça rejoint la question que la dame a posée. Le Mekong, pour moi, au lieu de payer un thérapeute, un psychiatre, un psychologue, et tout ça, j'ai dit, je vais rentrer chez moi. Le Mekong, pour moi, c'est une thérapie. Cette thérapie-là m'a beaucoup apporté d'argent. Parce qu'il y a le livre. Parce que la télévision m'a payé pour faire un film, parce qu'il y a une exposition au Jardin de Luxembourg, au Sénat, où j'ai jamais eu photo plus grand que mon ego, des photos agrandies 1m20 sur 1m80. Il y a 80 photos autour du Jardin de Luxembourg à Paris. Pour moi, c'était... j'ai gagné beaucoup d'argent avec ça, parce que le livre, c'est la première fois que j'ai fait un livre où ça se vend très bien, et que j'ai gagné d'argent avec. Evet, Mekong benim için terapi ve üstelik çok para kazandıran bir tedavi oldu. Çünkü Mekong adında bir kitabı var ve çok iyi satıyor, çok para kazandırıyor. Ayrıca Lüksemburg bahçelerinde Paris'te bire 1.80 metreden bahsediyoruz. 80 fotoğrafı sergilendi ve böylece hem tedavi oldu Mekong'da hem de üstüne para kazandı. Televizyon bununla ciddi paralar ödedi. C'était facile pour moi le Mekong, j'ai l'impression qu'on me payait pour partir en vacances pendant 10 ans. Parce que je parlais vietnamien, je parle un peu cambodgien, je parle thaï, je parle laotien, je parle un peu chinois. Et donc du coup j'avais pas besoin de traducteur et j'ai l'impression de voyager vraiment libre. Et dans le travail photographique j'avais en permanence 5 caméras. Donc il y a tous les formats possibles, j'avais format 24-36, 6-6, 6-7 et des polaroïdes. Et aussi une chambre avec des négatifs comme ça, où à l'époque il existait encore les chambres, les polaroïdes avec des négatifs. Donc je gardais le négatif et je donnais le positif aux gens, c'est-à-dire la photo ou des gens directement. Et je garde le négatif dans un solo, donc je me balade avec la chambre, plus un solo, plus le pied, et sous la chaleur, comme ça j'allais faire la photo des gens. Et les gens étaient prêts à poser pendant une demi-heure, parce que la chambre ça prend beaucoup de temps de faire la mise au point, l'installation, ça prend une demi-heure pour faire une photo. Biraz önce bahsettiğim 5 makineyle geziyordu oralarda. Bir de bütün o çevredeki dilleri bildiği için, konuştuğu için hiçbir çevirmene de ihtiyacı yok. Bu 5 makine bir 24-36 bizim normal kullandığımız genelde formatlar. Bir 6-6, bir 6-7, bir Polaroid, bir de körüklü kamera. Ve bu körüklü kameralarla insanların fotoğraflarını çekmek çok uzun süren bir işlem. Çünkü onun kurması, mühendisliği uzun iş. İnsanlar böyle bir yarım saat bekliyormuş ama portrelerini de çekiyormuş öyle. Bir de şey söylemedim galiba, yani bana bütün bu seyahati yapmam için ve bu fotoğrafları çekmek için para verdiler. Böylece para alarak tatil yaptım diyor. Voilà, pendant 10 ans j'ai fait une thérapie qui m'a rapporté de l'argent. Au lieu de payer. Et là, je suis retourné retrouver des gens que je n'ai pas vus depuis 10 ans. Donc ça, c'est l'homme qui est à côté. Et cette famille, et voilà, et que chaque fois que je retourne, retrouver des gens, il n'y a pas d'adresse. Donc chaque fois, j'ai dit, il faut aller là, je retrouvais par mémoire, et retrouver des gens dans les bidonvilles complètement à Bagdad. Et des gens, il fallait rester vivre, manger, boire, et puis... retrouver les gens, et je pouvais accéder et refotographier les gens dans leur vie quotidienne où ce sont des musulmans très conservateurs, dans le sens où on ne mélange pas quand il y a des invités hommes-femmes, mais quand je suis là avec la famille, il y a des hommes, des femmes, et pour moi c'était facile de pouvoir faire photo des femmes aussi. C'est en 2013. Evet, 2013'te tekrar Bağdat'a dönmüş ve aynı insanları, yani eskiden tanıdığı insanları bulmuş. Ama yani mesela bu bir gecekondu mahallesinde şoföre şöyle sağa sap sola sap diyerek böyle aklında kaldığı kadarıyla aynı aileleri buluyor.
Mesela biraz önce fotoğrafta gördüğünüz aile aslında çok tutucu Müslüman bir aile. Normal şartlarda bir yabancı erkek işte kadınların oraya giremiyor falan filan ama işte onu aileden biri gibi herhalde kabul ediyorlar ve içlerine girebiliyor. Pendant 10 ans, j'ai aussi quitté l'agence Vue et voilà parce que je voulais faire autre chose, je voulais pratiquement arrêter la photo mais j'ai continué tout sans déconner. Pendant 10 ans, j'ai l'impression qu'il y a un changement dans la photographie, dans l'histoire de la photo. Au niveau technique, on ne travaille plus en film, on travaille en digital. Et la presse est en crise, donc il vous paye moins, donc il ne peut pas vous payer en film, il peut pas publier des photos noires, pratiquement plus de publication des photos en noir et blanc. Donc la presse doit utiliser... passer de commencement aux photographes qui utilisent l'appareil digital, qui ne coûte pas des moyens techniques, et en couleur. Donc c'est pour ça que mes photos, après, c'est en digital et en couleur. Mais certaines, pas toutes. Bu 10 sene boyunca ajans Vue'yu de bırakmış bu fotoğraf ajansına. Ve 10 sene sonra geri döndüğünde dünya tamamen değişmiş. Yani fotoğrafçılık değişmiş, dijital olmuş her şey. Basın krizde pek para ödemiyorlar. Artık her fotoğraf dijital ve renkli oluyor. Hiç siyah beyaz fotoğraf yayınlanmıyor. Böylece şu andan sonra gördüğümüz fotoğraflar da artık renkli. Donc comme je connais bien le pays, je pouvais avoir chaque fois c'était confortable pour moi à cette époque-là 2013-2014. Il n'y avait pas encore la guerre, ISIS n'est pas encore monté en puissance, il y a des attentats, des choses comme ça, mais il n'y a pas encore, ISIS n'était pas encore très important. Donc je pouvais accéder à avoir tous les hommes politiques, donc du coup j'avais des commandes pour le journal Le Monde. Je travaillais beaucoup pour le journal Le Monde à cette époque-là. Le Monde, gazetesi, Fransa'nın önemli gazetelerinden biri, onun için çalışıyor ve 2013-2014 henüz ISIS şey değil, çok kuvvetli değil, yani bir hareketler yapıyor ama henüz o kadar önemli değil. Et ça c'est la vie à Bagdad. Bagdad hayat. Et ça c'est le début avec ISIS qui commence à attaquer, donc du coup il y a beaucoup de réfugiés et des déplacés qui partaient de Mossoul déjà pour arriver à Erbil. Ve ISIS'in saldırmaya başladığı zamanlar Mossoul'dan Erbil'e doğru kaçanlar. Et c'est à l'époque il y a plein de milices chiites qui se battent pour se défendre contre ISIS. Ve ISIS'e savaşan Şii milis kuvvetleri. Là, c'est au nord de l'Irak, c'est dans les montagnes. L'Irak'ın kuzeyi, dağlar. Là, c'est la ville de Erbil. Erbil. Douk. Douk diye bir şehir herhalde. Ça, c'est à Sinjar, là où la ville des ISIS, ils sont venus et ils ont massacré pas mal de yézidis dans cette région-là. Et on retrouve un peu des charniers dans cette région-là. Evet, ISIS'in katliam yaptığı Sincar. Des charniers qu'on a retrouvés après à Mossoul. Mossoul. Et certaines villes tenues par Daesh, avant de partir, ils brûlaient tous les champs pétroliers. Donc c'est pour ça que c'est difficile de maîtriser après les champs pétroliers. Et il y a une région entière couverte de fumée noire.
bu İslam Cumhuriyeti bir yeri terk ederken bütün petrol yataklarını yakıyor. Her taraf böyle duman içinde. Ce sont des églises qui sont détruites par Daesh. Yine ISIS tarafından kiliseler tamamen yıkılmış. Ah oui, ces photos, je les ai prises en 91 à Nineveh, un lieu où Daesh a pris et dynamité. Ils ont fait des photos vidéo pour montrer au peuple, pour qu'ils ont au monde entier qu'ils détruisaient des sculptures qui dataient de millénaires. Evet, bu aslında 91'de çekilmiş fotoğraf ama burayı sonra ISIS tamamen dinamitleyip yok etti. Voilà, ça ce sont les vieilles photos. Et là, c'est les photos aujourd'hui, le même endroit où il n'y a plus de sculpture. Voilà. Aynı yer, renkli fotoğrafta artık hiçbir heykel kalmamış hali. Ça c'est pendant la bataille à Mossoul. Mossoul savaşı. Les réfugiés, ça c'est au nord, ça on a l'impression c'est en Suisse, mais c'est assez suicidiste. Et je retourne, c'est-à-dire que je suis basé au nord de l'Irak et j'allais à Mossoul faire la photo 2-3 jours et je dois retourner à Erbil pour changer des idées. Je partais dans les montagnes pour pouvoir changer les idées. Mossoul'a gidiyordum, 2-3 gün fotoğraf çekiyordum, sonra kendimi toparlamak için tekrar bu sakin dağlara gidiyordum. Là, ce sont des Yézidis qui sont retournés dans le nord de l'Irak. Kuzey Irak'taki Yézidiler. Là, ce sont des femmes qui étaient prises par Daesh pour comme esclaves sexuels et qui étaient libérées après, que j'ai pu rencontrer et interviewer. İslam Cumhuriyeti tarafından seks köleleri olarak kullanılmış kadınlar, sonra onları bulup onlarla röportaj yapmış. Ça, c'est que je parlais au début, c'est un des leaders politiques qui était dénué. Il est content, il a embrassé la main de l'autre. Et moi, j'ai dit non. Il a senti la main de l'autre. Si jamais il était combattant, on ne peut pas savoir s'il est combattant ou pas. Il s'est rasé la tête et tout ça, ça peut être un Daesh qui s'était rendu, qui passait pour un habitant normal. Kalashnikov kullanmış, savaşmış demektir. Çünkü o kokul kalıcı oluyor uzun süre elinde. Ve böylece kimliği tespit etmiş oluyorlar. Yani ne kadar kafasını işte kesse saçını, sakalını falan filansa da aslında bir İslam Cumhuriyeti militanı olduğu ortaya çıkabiliyor böylece. Et comme c'est la ligne de front, des gens sortaient des cachettes et se rendent dans la zone où les soldats irakiens. Mais comme c'est des musulmans, pareil, on ne contrôle pas, on ne vérifie pas si des gens portaient des armes ou des explosifs, surtout des femmes. On ne va pas, il n'y a que des hommes soldats, donc ils ne vont pas fouiller les femmes. Et quand j'ai vu la photo où ils sentaient la main, ben, c'est un homme dont il peut prendre la main pour sentir. J'ai dit comment ils vont vérifier si c'est les femmes portaient des explosifs. Et en ce moment-là, j'ai dit bon, c'est bon, j'ai fait mes photos, il faut partir tout de suite. Et je suis parti un quart d'heure après, une heure après, j'ai appris par l'AFP exactement au même endroit des gens qui sortaient avec des explosifs. Ils ont tué plusieurs soldats et deux journalistes avec. Bon. El koklama olayından sonra şey düşündüm, peki ya adamın elini kokluyorsun da üzerlerine bombaları koymuş intihar bombacısı kadında da ne yapacaksın, nasıl anlayacaksın diye düşünmüş ve oradan hemen ayrılmaya karar vermiş. Bir saat sonra da intihar bombacıları gerçekten bir sürü askeri öldürmüşler. İki tane de gazeteci ölmüş bu arada. Ça c'est les combattants d'Daesh arrêtés par l'armée irakienne. Evet, Irak ordusunun yakaladığı bir İslam ordusu askeriydi o. Et après, je suis parti. Evet. Ça, c'est une des familles qui tient par les éclats des bombes. Qui sont
blessé par les éclats des bombes de leur maison. Ve oradan ayrılmış, bu bombalama sırasında yaralanmış bir aile. Ça c'est notre bataille, pas loin, c'est à Kirkuk. Kirkuk, ha, peki bizim dilimizde. Kirkuk'taki bir çatışma. Donc c'est des gens d'âge qui se rendent à l'armée. Ve teslim olan İslam ordusu askerleri. Bon, ça c'est sur les camps de réfugiés. Oui, c'est la nuit. C'est dans un camp. Les gens qui arrivaient des villes et pour pouvoir, ils n'ont pas encore les tentes, donc ils habitaient, ils attendent toute la nuit comme ça entre familles. Et pour moi, même s'il n'y a pas de lumière, il y a quand même. Photographiquement, c'est très dur. Parce que je travaille ni avec c'est rare avec je travaille les flashs ni avec un pied, donc je travaille le plus léger possible. Donc techniquement, c'est il faut le faire la photo parce qu'il y a de l'ambiance. Yani bu mülteci kampında bir çadır. Bir önceki fotoğrafta zaten mültecilerdi. Oui. Evet. Konuşmadan izleyelim. Oui, m'arrêtez quand vous voulez. İstediğiniz zaman soru sorabilirsiniz tabii. Yani kendisi konuşmayacak. Gorbat'ı bilirsiniz herhalde. C'est à l'époque j'avais pas drone. Je montais sur un pilier mais c'était suspendu un pilier, j'avais monté sur je sais pas combien de mètres. J'étais avec un ami qui avait peur mais moi j'ai dû monter. C'était pas avec un drone, j'avais l'appareil et j'attendais pendant une heure pour que les gens puissent traverser et faire une photo. O zamanlar drone yoktu. Böyle şeyin bir direğin tepesine tırmanmış. Là, on est au Laos, avec les éléphants du Laos. Burası da Laos. Ma grand-mère. Kendi anneannesi. Et mon petit-neveu. Küçük yeğen. Et c'est vraiment les photos de vacances. Et ma grand-mère, chaque fois, elle dit comment les gens peuvent payer pour venir en vacances. Et je dis, c'est la photo. Tatil fotoğraf. Ça, c'est la voisine. Komşu. Et cette photo, elle est complètement composée. Comme je parle la langue, au Laos, c'est l'endroit où j'ai construit ma maison à côté, en fait, mais c'est l'endroit où on venait se baigner quand on était petit. Et cette photo, c'est des enfants du village, et elle est complètement composée. Mais elle est naturelle parce que les enfants ils se baignent comme ça, mais c'est moi qui les place là, et elle est complètement composée. Bu fotoğraf tamamen kurgu. Tabii lisanlarını konuşuyor. Bir de kendisi çocukken buralarda böyle yüzmüş. Aslında bu çocuklar da oralarda hala öyle yüzüyorlar ama sen şurada dur, sen şurada dur falan demiş. Onun için kurgu fotoğraf olarak tanımlıyor. Celle-là aussi, elle est complètement composée. Ce sont toutes les moines, ce sont mes copains. Evet, bu rahipler de hepsi kendi arkadaşı, bu da kurgu. C'est pas une blague. Gerçekten arkadaşı. Voilà, c'est les photos qui sont prises à la chambre avec des, ce que je disais, les négatifs que je regarde, les positifs que je donne aux gens. Evet, bu enteresan bir körüklü makine. Fotoğrafı çekiyor, o anda develop ediyor. Develop ettiği pozitifi, develop edilmiş halini insanlara hemen orada veriyor. Negatifi kendisine saklıyor. Et elle, c'est ma copine chamane dans une tribu qui cultive de l'opium au nord du Laos. Evet, bu esrar ekilen bir bölgede şaman bir kadın. Bu ağzının siyah olmasını ben size anlatayım aslında. Joël, il avait expliqué pourquoi c'est noir.
fındık cinsi bir şey var. Bir onu bir yaprağa sarıp, yani yine kendi yaprağına sarıp onu sürekli çiğnerler o bölgede. Ve insanın ağzı böyle siyah olur. Aslında o dişler var. Sadece siyah olduğu için öyle gözüküyor. Ve böyle habire çiğneyip tükürürler böyle. Kırmızı da bir şey tükürürler. Onun için öyle gözüküyor fotoğrafta o kadın. Et la photo là, on arrive au Tibet. Tibet? Oui, Tibet. En Chine. Ah, Tibet. Çin'de bir yer ama ben önce Tibet zannettim değil. Çin'de bir yermiş. Et le Mekong devient de plus en plus petit et classé. Evet, yukarıda hep Tibet adlandırmış. Tibet, oui, des Tibetains. Evet, evet, Tibet. Ama Tibet'i tabii Çin işgal etmiş olduğu için Çin diyor oraya. Yukarılara çıktıkça değeri küçülüyor, gördüğünüz gibi. Voilà, c'est la fin du voyage. Ve işte nehrin nispeten kaynağı bu. C'est d'autres questions, sinon... Evet. On arrête là, je pense. Evet. Bizden bu kadar diyor, sorulara cevap verebiliriz. Eğer Türkiye'de bulunsaydı hangi konu üzerinde çalışmayı düşünürdü? Siz fotoğrafı ya, ama Türkiye'de çok bir sujet. Je sais pas, j'ai l'intention de venir en Turquie, mais je cherche pas pour l'instant un sujet particulier. J'ai envie me laisser absorber, me laisser comment dire. Il y a plein de sujets, pour moi il y a plein de sujets. Et après le choix c'est en fonction de... je crois que le choix il s'impose au fur et à mesure. Mais moi je ne fais jamais le plan avant et je laisse toujours comment dire, ce qui vient... Le sujet vous vient. Le sujet s'impose à moi. Oui, oui. Yani konu bana gelir diyor. Yani kendimi oluna bırakıyorum ve konu bir şekilde oluşur, ortaya çıkar. Evet, başka soru yoksa buyurun. Süreçte en çok hangi fotoğrafçılardan etkilendi kendi kariyerinde? Bir de fotoğraf dışında sanatçılardan onu etkileyen var mı? Mesela resim sanatçısından olabilir. Ah oui 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 oui, après bon, il y a plein de photographes américains qui m'inspirent, ce sont des photographes ils appellent ça les photographes engagés, les photographes concernés, comme Eugene Smith, comme les photographes qui ont fait la dépression américaine, comme Dorothea Lange. Tous ces photographes-là, pour moi, c'est vraiment c'est un peu comme modèle. Mais en même temps, je m'inspire aussi des photographes qui, comme Richard Avedon, comment il fait des portraits des gens, comment il fait des portraits même, mais il avait fait aussi des portraits de quelques soldats américains. Et c'est comme ça que je m'inspire en fait. Donc du coup, que je m'amuse aussi. Je m'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup à copier un style. Mais j'ai dit, ben, le reportage, c'est pas du plagiat. Les sujets sont, ça appartient à tout le monde et chaque fois il y a toujours des choses différentes. On arrive à capter des choses différentes. Et pour moi, l'essentiel, c'est pas dans... Aujourd'hui, en tout cas, après des années, l'essentiel, pour moi, les photos sont pas... c'est pas important, le cadrage, la lumière, c'est ce que je ressens. Si je ressens, j'ai assez confiance en moi. Si je ressens quelque chose, une situation, j'arrive toujours à faire les photos... ce que j'ai envie de faire. Et pour moi, une belle photo, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Et des fois, il y a plein de photos, j'ai pas voulu en parler dans le détail, mais il y a plein de photos à moi où j'ai fait un cadrage et tout d'un coup, il se passe quelque chose que j'ai pas prévu. Donc ces choses-là, pour moi, c'est comme un miracle un peu. Le regard des gens, tout d'un coup, se retourne dans... Par exemple, j'ai fait une photo aux Philippines pendant le typhon, dans une église où il commémore la mort, la tristesse, où tous les gens regardaient dans un sens. Et une photo, il y a tout le monde regardait à droite, et il y a
dans une église, il y a toujours les anges, ou bien un ange, et puis il y a le seul regard qui regarde vers, à l'opposé, vers l'entrée, vers l'ange, c'est un gamin. Et je n'étais pas prévu ça. Et quand j'ai vu dans le cadrage, tout d'un coup, il retourne la tête, regarde dans l'autre sens, et bien pour moi, c'est comme un don. C'est comme un don qu'on reçoit, quoi. C'est le hasard fait que, bon, le hasard, ça se travaille, il y a le cadrage et tout ça, mais il y a toujours un miracle qui se passe. Quand on sent quelque chose qui va se passer, on sent quelque chose, mais on ne sait pas quoi, et on attend toujours pendant, des fois, ça peut attendre, je garde le cadrage pendant un quart d'heure, 10 minutes, et des fois, il se passe quelque chose comme ça. Et ça, pour moi, c'est le regard du gamin dans l'autre sens, l'opposé de tout le monde, qui voit l'ange, qui regarde l'ange, et ça change tout. Pour moi, donc, du coup, il y a plein de choses comme ça, plein de photos aujourd'hui qui, bah, pour moi, elles sont bonnes. Donc, du coup, quand j'ai fait un livre, je vais les mettre dedans. J'ai mis à l'église. Etkilendiği fotoğrafçıları en başta saydığında büyük buhranı çekmiş olan meşhur Eugene Smith, Dorota Lange gibi fotoğrafçılar var. Bir kişi daha söyledi aslında. Abdon. Ama en son anlattığı konuya geçeyim. Şimdi fotoğrafları çekerken artık ben ışık iyi olacakmış, kadraj iyi olacakmış olayına çok takmıyorum diyor. Mühim olan bir şey hissetmek, ben bir şey hissediyorsam önemli olan odur diyor fotoğrafta. Bazen de çok büyük tesadüfler olur. Yani mucize seviyesinde tesadüfler olur. Mesela bir kilisede fotoğraf çekiyor, işte herkes bir tarafa bakıyor. Bir çocuk birdenbire dönüp öbür tarafa bakınca işte orada fotoğraf oluşuyor. Yani biraz şans, şey, meleklerin hediyesi ne derseniz deyin ona. Onu yakalamak, anladığım kadarıyla ona en çok keyif veren şey bu. Buyurun. Konuşmanın, ben de yanlış anlamış olabilirim. Konuşmanın başlangıcında politik nedenlerle bazı fotoğrafların gösterilemeyeceği gibi bir şey söylediniz. Fotoğrafların politik değil de, yani biraz politik belki ama ilk baştaki şeyler, fotoğraflar çok sert idi. Yani çocukların durumu çok kötüydü. Onun için onları göstermek istemiyordu zaten. Buyurun. Ve annelerle ilgili olan da politik nedenlendi ya. Bir kısım annelerle ilgili olan fotoğraflar gösterildi. Evet, bir ara orada da öyle bir laf döndü ama orada niye politik demişti hiç hatırlamıyorum. Yani... Biz tahmin ediyoruz. Başka soru var mı acaba? İlk baştaki yetimhane fotoğraflarını yanlış hatırlamıyorsam bir dergiye göndermişti ve yayınlanmıştı. Dergi değil, hayır. Sosyal şey kuruluşu, STK aslında. Tamam. Onlar aldılar, yayınladılar. Yani onun meşhur olması da o fotoğraflarla oldu zaten. Peki daha sonra yetimhanedeki çocukların yaşam koşullarında bir düzelme, iyileşme oldu mu? Öyle bir faydası oldu mu onu merak ediyorum. Eski yöntemi fotoğraf yazarı kullanıcı. Eski eski oui, et c'est ça que j'adore travailler pour les ONG, dans le sens où j'ai fait une photo d'une situation et l'ONG, je sais que quand ils vont récolter l'argent, et ça change. Et par exemple, les orphelinats, après ils ont fait venir des équipes, des infirmières, des ingénieurs, des constructeurs pour changer, pour remettre le chauffage, de l'eau, et des infirmières, des médecins pour former des gens, pour pouvoir dire ces gamins-là ne sont pas condamnés à mort, ils sont des êtres vivants, on doit les considérer comme des êtres vivants, les changer leur mentalité et donner des soins, vraiment comme des patients. Voilà. Et j'ai vu ça, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour l'ONG et je vois l'évolution. Epey ilerleme olmuş. İşte mühendisler, doktorlar falan filan gelmiş, ısıtma yapılmış, insanların bakış açıları değişmiş, bunlar ölüme terk edilecek çocuklar değil, onlara insan gibi davranmak gibi ciddi bir fikir değişikliği olmuş. Tabii bu kuruluşlar para sağladıkça ve parayı bu işlere aktardıkça şartlar çok değişebiliyor.
Onun için de bu tip kuruluşlarla çalışmak ona çok uygun idi o zamanlar. Et même certaines personnes en Irak, quand je les ai connues en 91, la situation change dans le sens où quand je retrouve des gens, aujourd'hui c'est eux qui m'aident. Vraiment, c'est eux qui ils me donnent l'argent pour. Par exemple, quand j'arrive, ils m'envoient la voiture Mercedes pour m'accueillir à l'aéroport. J'ai dit, je vais faire un livre, ils me donnent, tu as besoin de combien d'argent, et voilà. C'est vraiment ça. C'est pas une blague. Zamanında, seneler önce Irak'ta tanıdığı insanlar şimdi tabii çok önemli noktalardalar. İşte gidiyor, havanda onu bir Mercedes karşılıyor. İşte bir kitap yapacağım diyor, bir sürü para veriyorlar. Al sana para, işte git kitabını yap falan diyorlar. Yani böyle kendi durumunda da bayağı iyileşme olmuş. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Evet.